L'emprise sectaire. Alors l'emprise sectaire, il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment, on pourrait y passer des semaines même, tellement les systèmes sectaires sont variés, les aspects sont divers, mais il y a quand même des traits assez communs, et je vais essayer de vous en parler, puis il y a quelques idées reçues, je vais essayer de vous en toucher quelques mots, et après je vous expliquerai aussi quelles sont les méthodes qui font qu'on a tendance à y rentrer, et les méthodes, enfin les rares méthodes qui permettent d'en sortir. Voilà. Alors juste à titre introductif, un petit documentaire qui était passé sur Planète il y a quelques temps, et qui montrait, on va dire, les derniers grands cas, dont un qui est local, qui est chez nous, ça s'est passé entre autres ici, de quatre grands dérives sectaires de type pyramidal, comme au bon vieux temps, on va dire. Je vous montre le début de ce documentaire qui en présente quatre. Et je vais me chercher un petit mouchoir en attendant. Shoko Asahara, gourou d'Homme Vérité Suprême. 1995, il ordonne à ses adeptes un attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo. Bilan, 12 morts, 5000 blessés. Joe DiMambro, gourou de l'ordre du Temple solaire. 1994, il ordonne à ses adeptes l'organisation d'un transit vers la planète Sirius. 53 morts. David Koresh, gourou de la branche des Davidiens. 1993, il résiste avec ses adeptes au siège du FBI, 74 morts. Jim Jones, gourou du Temple du Peuple. 1978, il entraîne ses adeptes dans un suicide révolutionnaire, 923 morts. En 20 ans, plus de 1000 morts. L'ordre du Temple solaire, c'est celui peut-être dont vous avez entendu parler, parce que il a fait des morts au Canada, au Québec, il a fait des morts en Suisse, et il a fait des morts ici dans le Vercors. Je pense que vers Saint-Pierre-de-Chérennes, je pense que vous connaissez cette histoire-là, on a retrouvé de mémoire, c'est 13 morts, dont deux enfants, ou 13 morts adultes et deux enfants carbonisés dans un lieu dit... dont j'ai perdu le nom maintenant, un lieu dit qui a un nom un peu sordide. Quoi. Et ça, c'était en 1995, si ma mémoire est bonne, vers le 23 décembre ou le 22 décembre 1995, donc c'était il y a 22 ans. Le dernier procès sur la question de l'ordre du Temple solaire a eu lieu en 2003, je crois, sur le procès de Tabachnik à Grenoble. Donc c'est une histoire qui est encore assez vivace chez les plus âgés d'entre nous. Hein. Cette histoire-là, tout à fait sordide, qui est partie d'un personnage assez trouble qui s'appelait Joe DiMambro. Alors l'histoire est assez longue, il a des ramifications avec l'extrême droite, il y a toute une histoire qui a été retracée par, je pense notamment au livre de Renaud Maric sur l'ordre du Temple solaire avec les liens occultes qu'il pouvait y avoir avec l'extrême droite. Vous pouvez creuser cette piste-là, mais il faut savoir que c'était pas le gourou lui-même qui recrutait les gens, mais c'était une personne qui était beaucoup plus charismatique que lui, qui s'appelait Luc Jouret et qui était homéopathe. Ah, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. L'homéopathie n'amène pas dans des dérives sectaires où des gens se donnent la mort ou font mourir les autres, voire plantent des poignards dans... Je crois que c'est 23 coups de poignard dans un nourrisson en Suisse, à Sherry, là, l'année d'avant ou l'année d'après, en 96, un truc comme ça, parce qu'ils pensaient que c'était l'antichrist, alors ils l'ont un peu massacré, le bébé. Enfin, l'horreur, quoi. Absolument horrible. Et donc, c'est important de préciser que c'est sur couvert de médecine dite alternative que ce monsieur faisait des conférences et ensuite amenait les gens à se tourner vers un mouvement occulte comme celui-là. Alors, l'emprise sectaire, c'est compliqué ne serait-ce que d'en parler parce que le mot en tant que tel, secte, le mot secte, déjà son étymologie est ambiguë, elle est toujours discutée et ambiguë, mais surtout elle n'a pas de définition juridique. Et ça peut jouer des tours. Je vous donne un exemple. Il y a une dizaine d'années maintenant, on travaillait sur un... Comment ça s'était passé, l'histoire ? Quelqu'un me téléphone à propos du salon Naturissima qu'on a chaque année ici. Et quelqu'un me dit « Ah, je ne sais plus qui c'est peut-être mon collègue Florent Martin qui m'appelle et qui me dit « Il y a des bouquins un peu bizarres, là. Est-ce que tu les connais, ces bouquins-là » Et il me dit l'édition s'appelle Pros Vieta. Je dis « Ah bah oui, Pros Vieta, c'est les bouquins de Ivanov. Ivanov, c'est un mouvement réputé sectaire recensé par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qui s'appelle la Fraternité Blanche Universelle. » Et alors, l'association locale qui s'appelle l'ADFI, de Savoie-Isère, l'association de défense de la famille et de l'individu s'empare du sujet et il y a un reportage de France 3 qui est fait
Et je crois que dans ce reportage, la représentante de la DFI explique que la Fraternité Blanche Universelle, la FBU, a fait des victimes, etc. C'est une secte. Etc. Et il faut savoir que les mouvements qui sont considérés comme sectaires sont relativement procéduriers et ont souvent des moyens. Et pour le coup, ils ont attaqué en justice France 3 et la camarade qui avait fait cette déclaration-là. Et ils ont gagné en diffamation du mouvement. Quoi. Ils ont gagné. C'est-à-dire que donc, la camarade et l'association de défense de la famille et de l'individu, et je crois aussi France 3, ont été condamnés à verser une somme à la Fraternité Blanche Universelle. Donc attention à ce qu'on dit quand on parle de ces mouvements. C'est compliqué pour plusieurs raisons, ces questions. Je vous dis, il n'y a pas de définition juridique en France de la secte. Voilà. Il n'y a pas de définition juridique. On peut trouver quand même des définitions pénales qui peuvent être proposées, notamment celle d'Arnaud Palisson dans sa thèse, qui explique que ces personnes morales à but philosophique, spirituel ou religieux, dont les organes ou les représentants commettent pour son compte des infractions pénales en tant qu'auteur ou complice. Donc en fait, ça devient secte que quand ces nouveaux mouvements religieux, comme certains les appellent, commencent à sortir du cadre de la légalité, quoi, et font des trucs horribles qui peuvent aller du meurtre aux attouchements sexuels. Hein. Je pense au cas de Gilbert Bourdin, par exemple, pour ceux qui connaissent les Alpes de Haute-Provence, vous vous rappelez peut-être de ce monsieur qui érigeait d'immenses temples qui faisaient un truc œcuménique, il réconciliait toutes les religions du monde, il s'appelait Gilbert Bourdin. Non, c'est un groupe qui s'appelle le Mandarum, exactement, le Mandarum, tout à fait, le Mandarum. Et Gilbert Bourdin avait été traduit en justice à la fin de sa vie, malgré son statut de messie cosmoplanétaire qu'il s'était lui-même donné, malgré sa tiare aux 1008 facettes qu'il mettait de temps en temps, s'est fait traîner en justice, et il est mort pendant son procès, donc ça n'a pas abouti. Mais le mouvement du Mandarum à Castellane, c'est à Castellane, si j'ai bonne mémoire, continue hein, toujours. Hein. Bref, voilà, l'infraction pénale, et c'est souvent un des critères qui permet de dire que le nouveau mouvement religieux est en train de partir en sucette, comme on dit. Alors il y a des définitions, chacune n'est pas suffisante en soi, mais si on les regroupe toutes, on peut se dire qu'on a quand même affaire à un mouvement qui est un petit peu problématique, quoi. Déstabilisation mentale, caractère exorbitant des exigences financières, rupture avec l'environnement d'origine, existence d'atteinte à l'intégrité physique, ça peut être sous forme de rituels répétés inlassablement, ça peut être des systèmes hygiéniques super violents, ça peut être parfois même des contentions, c'est-à-dire les gens se retrouvent enfermés. Il y a eu des cas comme ça dans l'église de Scientologie où des gens se sont retrouvés considérés comme suppressifs, c'est comme ça que dit l'église de Scientologie, et ont été mis plus qu'au placard, quoi, presque dans une cellule à l'intérieur des structures de l'Église. Discours antisocial, ce qui n'est pas propre à... J'ai pas mal de copains qui tiennent des discours antisociaux, si vous voulez. L'embrigadement des enfants, c'est pas propre non plus, vous voyez, à des mouvements religieux. Hein. L'importance des démêlés judiciaires, l'éventuel détournement des circuits économiques. Chacun de ces points-là n'est pas suffisant pour définir une dérive sectaire. Quand ils sont tous là, ça nous donne quand même un indicateur qui est censé agiter notre sens araignée, là, notre sens d'autodéfense intellectuelle vis-à-vis de ces mouvements. Le problème que ça pose, c'est qu'il y a un côté très normatif là-dedans, et l'État a mis, notamment à travers les grosses affaires qu'il y a eu en France de dérives sectaires, a mis des moyens pour faire une mission ministérielle là-dessus, la MIVILUD, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui, pas chaque année, mais tous les 2-3 ans, sort un rapport. Je les ai tous au bureau, mais ils sont en ligne, ils sont disponibles en ligne, vous pouvez les télécharger. Et à chaque fois, il y a un thème, les dérives sectaires et l'enfance, ou les dérives sectaires et la psychologie du bien-être. Et vous pouvez lire ça, c'est assez riche. Mais ça pose le problème de faire des listes. Et beaucoup de gens se plaignaient de... C'est le problème des listes, c'est-à-dire que si vous avez un mouvement qui est un peu bizarre et qui est mis dans cette liste, tout le monde va condamner ce mouvement alors que peut-être qu'il faisait rien de mal en soi, quoi. Il avait juste une proposition de vie alternative à côté. Donc il y a un côté assez normatif là-dedans. Et en même temps, ça donne quand même des indications à savoir à quoi on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à une église comme une autre? Est-ce qu'on a affaire à quelque chose qui a été condamné plusieurs fois? Est-ce que ce sont des groupes qui ont des gros, gros moyens financiers? Où est leur siège social, etc. Donc il y a un côté moraliste. Il est arrivé par exemple que des gens qui voulaient vivre en communauté dans des régions reculées se fassent emmerder par la MIVILUD, ce que je regrette. Et à l'opposé, il y avait des gens qui faisaient des trucs très moches et qui ne faisaient pas partie de la liste. Et donc, c'est le problème des listes, quoi. Et je sais que vous allez me poser cette question, parce que je me la pose aussi depuis longtemps, et à chaque fois on me la pose. Donc, est-ce qu'il y a des différences entre les dérives sectaires et les religions?
Et c'est une très bonne question à laquelle il est difficile de répondre. Beaucoup d'auteurs là-dessus se fâchent. Alors il y a quelques on a du mal à trouver des arguments pour faire la distinction entre dérive sectaire et religion. Je dois vous le dire, on a du mal. On peut juste dire que normalement, dans une religion, on y naît, alors que dans une dérive ou un nouveau mouvement religieux, on y entre. Voyez. Donc après, on vous dit, ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire que en fait, les religions sont les dérives sectaires qui ont réussi, quoi. Et en soi, il y a un peu de ça. Après, normalement, vous pouvez en sortir d'une religion quand vous le décidez, alors que dans les nouveaux mouvements religieux à tendance sectaire, c'est beaucoup plus compliqué. On vous fait des pressions morales assez terribles. Mais en même temps, quand on regarde de près, on se rend compte que si tout votre groupe social adhère à la même religion, toute votre famille, toutes les fêtes de votre groupe social est adossée à une religion, si vous la quittez, ça va vous coûter socialement très fort, quoi. Et beaucoup de gens, en fait, n'en sortent pas à cause de ça. C'est une forme de pression aussi, en quelque sorte. C'est très difficile pour quelqu'un qui est né dans un milieu très religieux d'en sortir sans casse auprès de ses proches. Il arrive que ce soit les parents qui soient fâchés avec vous, ou les cousins, ou tout le monde est fâché après vous, quoi. Donc des différences factuelles, il n'y en a pas vraiment en soi. Disons que les nouveaux mouvements, les églises, on pourrait dire qu'elles n'enfreignent pas la loi, mais en vrai... Bon, enfin, j'imagine que vous connaissez... certains aspects plutôt glauques, on pourrait dire, de certains mouvements, comme les Témoins de Jéhovah, par exemple, ou l'Église catholique, ou sur des cas de pédophilie tout à fait surprenants. Voilà. Non, vous n'êtes pas au courant qu'il y a tout plein d'affaires dans tous les sens. Garde tes questions et tu me les poses à la fin. Je ne peux pas les prendre là, sinon tu ne seras pas pris. Et donc, ou alors je la répète très fort. On peut essayer, vas-y. Après, ok. Tu m'écris, je mettrai mon numéro tout à l'heure. Pas de méthode infaillible pour s'en extraire ou en extraire quelqu'un. Ça, c'est l'autre question qui m'est souvent posée. C'est très probable que parmi vous, il y ait quelqu'un qui connaisse quelqu'un ou soi-même soit tenté d'aller vers un mouvement de ce genre. C'est compliqué d'en sortir, et surtout c'est compliqué de trouver une raison morale de faire sortir quelqu'un d'une dérive sectaire, parce qu'en vrai, on verra ça au cours numéro 12, mais qui sommes-nous pour juger du bien-être de quelqu'un d'autre? Et si la personne elle est bien, même si c'est dans une dérive sectaire complètement sordide, qui vous paraît complètement débile, et ben, si elle est bien là-bas, qui sommes-nous pour aller juger de son bien-être? Voyez. Ça, c'est une question vachement compliquée. N'empêche que si vous voyez votre ami ou votre copain, votre camarade dérailler et partir dans un mouvement qui vous paraît étonnant, j'ai qu'un conseil à donner, parce qu'il n'y a pas de recette, en fait. Le seul conseil que je puisse vous donner, c'est si vous êtes la dernière personne avec qui elle discute encore, parce que dans tous les nouveaux mouvements religieux à tendance sectaire, vous sentez que le groupe nouveau est en train de tire et désocialise la personne de son ancien groupe. C'est une méthode de prise, comme ça. Et donc, on coupe progressivement les ponts avec tout son entourage, quoi. Donc, si vous êtes la dernière personne à avoir un lien avec elle, essayez de ne pas le rompre. Et donc, arrêtez de parler de ce sujet directement, sinon vous risquez de vous fâcher avec elle, enfin, elle risque de se fâcher après vous, ou de vous ranger dans la catégorie de l'extérieur, ce qui est souvent un discours qui revient dans les mouvements religieux, les nouveaux mouvements religieux. Il y a le dehors, qui est maléfique, si vous voulez, puis il y a le dedans du groupe, qui lui est chaud, chaleureux, donne du sens, etc. Essayez de ne pas casser ce lien. Voilà, si c'est vous le dernier lien, essayez de ne pas le casser. Et après, il y a des petites... pour les gens qui ont réussi à sortir de mouvements comme ça, j'en connais 3-4 qui sont sortis des Témoins de Jéhovah, qui sont sortis... Témoins de Jéhovah, je le dis, les TJ, dans le jargon, on dit les TJ, c'est considéré comme une des dérives sectaires les plus décérébrantes, sur le plan psychologique. Ça laisse les gens complètement vidés, et c'est très rare qu'ils arrivent à s'en sortir, et maintenant je connais 3 cas. Et c'est parfois pour des détails, quoi. C'est parfois des détails. Pour un cas, je sais que c'est l'amour. C'est un gars qui a... il était venu dans une de mes conférences, je ne me rappelle plus laquelle, et je vous dirai pas son nom, mais si vous en avez besoin, je vous le donnerai. Mais c'est un gars qui, parce qu'il a découvert l'amour avec un autre monsieur, il s'est dit, et il s'est fait condamner terriblement dans sa communauté. Il s'est dit, c'est pas possible que le Dieu que je révère depuis si longtemps puisse condamner un amour aussi pur que j'ai pour cette personne, quoi. Donc, et hop, et dans sa tête, ça s'est désorganisé, et au bout d'un moment, il est parti, quoi. Mais c'est rare, enfin, c'est très rare. Alors les idées reçues, c'est quoi? C'est pas besoin d'être stupide pour tomber dedans. Ça dépend pas de la stupidité des gens.
Il n'y a pas besoin d'être stupide pour se faire happer dans un mouvement comme ça. En fait, on dit souvent que c'est une mauvaise rencontre à un mauvais moment. Généralement, ce qu'il faut, c'est un élément déclencheur. Par exemple, une grosse violence, un événement violent, tragique qui vous arrive. Vous perdez toute votre famille dans une coulée de boue, dans un accident de voiture, ou j'en sais rien. Ou alors vous vous faites virer de votre boulot, donc après vous rentrez chez vous, puis votre compagnon, votre compagne, il vous jarte, et puis enfin tout part en cacahuète, et puis vos enfants vous jettent des cailloux, et puis là, d'un coup, vous êtes tout seul, il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de sens à rien, et là, il y a quelqu'un qui vient et qui vous propose du sens. Et c'est une des réussites des systèmes métaphysiques tels qu'on a pu en faire une certaine critique dans les débuts du cours, c'est de proposer des réponses à des questions métaphysiques. Les questions que la science, auxquelles la science ne peut pas répondre parce qu'elles sont métaphysiques. Pourquoi nous? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi dans tel corps? Pourquoi à cette époque et pas une autre? Et l'au-delà? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Toutes ces questions-là auxquelles la science ne peut pas répondre. Généralement, ces groupes-là viennent apporter des réponses et qui peuvent être réconfortantes à un moment donné. Et hop, ça nous fait du bien, quoi. Donc on dit une mauvaise rencontre à un mauvais moment. Il n'y a pas besoin d'être spécialement suggestible. Et vous allez voir, c'est l'objet de ce cours. Je voudrais vous montrer que les méthodes qui sont à l'œuvre dans les sectes ne sont absolument pas différentes de celles que vous pouvez rencontrer tous les jours. Elles ne sont pas miraculeuses, il n'y a pas des méthodes avec genre de l'hypnose de loin et on vous attire, ou des messages subliminaux qu'on vous diffuse, il n'y a pas de trucs exotiques comme ça. Les méthodes, elles sont de base et elles sont essentiellement développées par le marketing, il faut bien le dire. Le marketing est un excellent fournisseur de biais de psychologie sociale, c'est un exploitant des biais de psychologie sociale absolument terrible. Et alors les portes d'entrée principales, il faut que je vous le dise, c'est pour ça que ça fait lien avec notre cours, c'est les techniques dites énergétiques qui postulent une entité non démontrée en science, vous savez, dont je vous ai déjà parlé. Et j'ai rangé dedans le yoga, bien qu'il y ait plein de gammes différentes de yoga et que le yoga soit une sorte de gymnastique, mais quand elle est adossée à un système spirituel ou spiritualiste, alors il y a plein de variantes, hein. Il y a le grand vaisseau, enfin il y a des yogas, il y en a des j'oserais peut-être dire une centaine peut-être, mais c'est voilà, c'est le corpus spiritualiste qu'il y a derrière, qui nous intéresse pas à la gymnastique qui est proposée bien évidemment. Il y a le qigong, il y a les arts martiaux, c'est évidemment pas les arts martiaux qui posent problème, mais les arts martiaux avec, comme en aïkido, comme on entend parfois, des revendications de fluide qu'on pourrait développer, etc., ce sont des portes d'entrée assez propices avec des gens qui disent être capables de développer ça, et pas vous, mais ils peuvent vous apprendre, si vous voulez. Vous avez les discours New Age, notamment liés à ce qu'on appelle l'écologisme. Alors, il y a des écologismes plus ou moins naïfs, plus ou moins institutionnels. Vous en avez un exemplaire d'écologisme institutionnel vendredi, ici, dans cet amphi, ce sera Nicolas Hulot. Mais vous avez des écologismes profonds avec des gens qui révèrent la terre-mère, et qui font l'amour avec Gaïa. Ils font un petit trou dans le sol et puis je sais pas comment ils font. Ils font l'amour avec Gaïa. Bon, voilà. Il y avait, comment il s'appelle, Paco Rabanne, je crois, qui avait dit, il faut avoir fait l'amour avec la terre et la terre a vibré. Elle aurait eu un plaisir inouï à faire l'amour avec Paco Rabanne. Bref, bon, voilà. Et les discours New Age, c'est pour parler de l'idée d'un nouvel âge qui arrive après l'ère du poisson, l'ère chrétienne, arriverait l'ère du Verseau, ce qui a donné beaucoup, beaucoup, même de chansons très connues. The Air of Aquarius, ce genre de chansons que vous connaissez peut-être, qui étaient très, très chantées dans les périodes hippies. Et puis, évidemment, tout le paxon des thérapies alternatives et les méthodes de développement personnel, de bien-être, etc., qui sont des portes d'entrée. Elles ne sont pas mauvaises en soi, elles ne sont pas néfastes en soi, si vous voulez, mais ce sont les portes d'entrée. Et je vous disais tout à l'heure que Luc Jouret se servait de développement personnel et d'homéopathie pour recruter ses membres dans l'ordre du temple solaire. Alors, avant de plonger plus avant dans les méthodes, dans les techniques, je voudrais juste vous préciser un point, point qui est très très bien explicite dans ce bouquin-là, de Robert Cialdini. C'est probablement le meilleur bouquin que j'ai lu d'introduction à ça, à ces questions-là. Vous pouvez l'offrir à Noël ou quand vous voulez à vos fêtes, quand vous le souhaitez. Ça s'appelle « Influence et manipulation ». Et la question qui est sous-jacente là-dedans, c'est quelle est la différence entre une influence et de la manipulation. Mais influencer quelqu'un, c'est obtenir de lui un comportement qu'il aurait fait volontiers, mais vous avez facilité le choix, si vous voulez. Alors que manipuler, c'est vous forcer la main à quelqu'un qui vous aurait pas forcément dit oui, vous voyez, et vous lui forcez la main. Mais la nuance est parfois un peu ténue, quoi. Je dois vous avouer que la nuance est parfois un peu ténue. Quand je vous donne les méthodes que je vais vous donner là, il s'agit pour moi de vous donner des réflexes pour quand on vous les applique, pas de vous encourager à les appliquer sur vos congénères, quoi. D'accord ? L'idée, c'est que vous vous en serviez pas, quoi, mais vous sachiez les détecter, quoi. Donc il faut les détecter, et pour ça le plus simple c'est de mettre des noms. Et les noms, bah, c'est pratique, il y a des gens qui ont déjà travaillé dessus. Probablement le plus connu,
je le fais parce que sinon j'oublie de vous les présenter, ces bouquins. Oui, parmi les bouquins qui sont bien faits, je recommande celui-ci du collègue Laurent Bègue, qui dirige la maison des sciences de l'homme et de la femme. Parce qu'on oublie souvent la femme dans l'homme, mais bon, peu importe. Psychologie du bien et du mal, c'est très très bien. Très très bien foutu. Et celui dont je voulais vous parler, qui est probablement le livre qui a le plus posé de termes sur les méthodes de manipulation, c'est le Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens de Robert Vincent Joulet et Jean-Léon Beauvois qui est souvent de passage ici, dans ses vieux jours, là, dans sa retraite, et qui m'arrive parfois de recruter dans le cours. Je l'ai eu une fois ici en cours, et il est venu il y a un mois encore. Vous pouvez le croiser, chopez-le, voyez-le en conférence, ça vaut la peine. Alors, voilà, je vais vous énoncer quelques techniques, j'en ai gardé 7 ou 8, mais il y en a peut-être 40 recensées. J'en ai gardé 7 ou 8 qui sont probablement les plus puissantes et qui ont des vrais effets. À chaque fois, j'essaie de vous donner une histoire, l'histoire qui permet de la conceptualiser, quoi. La stratégie du pied dans la porte, probablement vous avez déjà entendu ce terme-là. Le principe de base, et je ne vous encourage pas à le faire, je vous encourage à vous en défendre, c'est de demander de réaliser un comportement préparatoire à quelqu'un qui est facile et qui demande pas beaucoup d'énergie et qui n'est pas très coûteux, et ensuite de demander un comportement en lien avec ce que vous avez demandé avant, mais plus coûteux, et voir si le fait de demander un comportement préparatoire améliore ce que vous étiez en train de demander. Alors par exemple, vous pouvez commencer par tendre un tract à quelqu'un, après vous pouvez lui faire signer une pétition, puis après vous pouvez lui demander de faire un don, quoi. Ce qui est la stratégie assez communément utilisée en centre-ville ou place Grenette. Vous avez des mecs, des nanas qui sont payés pour faire ça, quelle que soit la cause d'ailleurs, c'est leur métier, quoi, d'utiliser ce genre de méthode. C'est des bons entraînements, ces gens-là, d'ailleurs. Vous pouvez tester. Alors, par exemple, Friedman et Fraser, qui est une des expériences de départ, hein, on propose à des femmes au foyer de laisser poser un gros panneau de pub dans leur jardin, un gros panneau de pub trop moche, trop vilain, vachement grand, 4 mètres sur 3, sur la prévention routière. Évidemment, on présume que personne n'a envie de se retrouver avec un panneau de prévention routière dans son jardin. J'ai mis femme au foyer, parce que dans les années 70, il y avait évidemment, quand les démarcheurs allaient les voir, ils trouvaient souvent des femmes au foyer. Hein. C'était des répartitions de rôles qu'on peut regretter, mais elles étaient comme ça à l'époque. Elles sont encore comme ça un petit peu aujourd'hui, mais moins, beaucoup moins, fort heureusement. Et après, ils ont comparé ces situations-là avec une situation de pied dans la porte. C'est-à-dire, ils venaient au préalable voir les dames au travail, et malheureusement j'ai laissé du orange et je pense que vous ne voyez pas ce qui est marqué. Ici c'est marqué de laisser poser un autocollant de pub sur la voiture, ce qui ne coûte rien. Évidemment l'autocollant doit être en lien, évidemment si c'est un autocollant pour la tartiflette, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez demandé ensuite, donc ça ne marche pas. Il faut que ce soit un truc en lien avec la prévention routière. Puis ensuite vous revenez et vous demandez s'ils sont d'accord pour laisser un panneau de pub dans leur jardin sur la prévention routière. Et là c'est juste majeur, quoi. L'effet est majeur. Si vous venez demander un comportement préalable avant, vous obtenez un meilleur consentement ensuite, mais vraiment meilleur. Vous passez de 17% à 76%, c'est juste monstrueux en fait comme effet psychologique. J'ai tenté de vous en faire un tout à l'heure, discrètement, mais je vous manipule pas parce que j'ai pas d'intérêt plus que d'avoir votre attention. Et a priori, si vous êtes là, c'est que j'ai déjà votre attention. Donc en fait, j'ai essayé de vous influencer. Oh, c'était très léger, hein. Mais quand, par exemple, je vous demande au départ, et c'est quelque chose qui ne va pas vous donner l'impression que ça marche, mais en fait, on sait que ça marche. Quand c'est testé, ça marche vraiment. C'est quand je vous demande, est-ce qu'on commence ou est-ce qu'on attend encore les retardataires? Et là, vous dites, on commence. Mais en fait, vous faites un choix de commencer, quoi. Et ça vous donne un rôle dedans. Et ensuite, normalement, votre attention est accrue pendant le cours. Normalement, hein, j'espère. Voilà, mais moi je vous le dis ensuite que je l'ai fait, donc c'est pas mal, je vous le dis. Ça c'est la stratégie du pied dans la porte. On engage la personne dans une intention d'aide, et après on lui demande de passer à l'étape au-dessus qui est plus coûteuse. Après vous avez une deuxième technique qu'on appelle la technique du « mais vous êtes libre d'eux ». Un peu compliqué dit comme ça, mais il suffit juste d'assortir à votre question, jouer sur le sentiment de liberté de la personne. Et alors, le test de Guéguin et Pasquale, c'est un inconnu, 20 ans, vous aborde dans la rue, condition standard, excusez-moi, auriez-vous un peu de monnaie pour prendre le bus? D'accord. Et situation, mais vous êtes libre d'eux, excusez-moi, auriez-vous un peu de monnaie pour prendre le bus? C'est le même bonhomme, hein, à chaque fois, mais on ajoute, mais vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Ok. Et on se dit, ça ne change pas grand-chose, quoi. Bah si, en fait, c'est juste énorme, quoi. Alors, mon diagramme amplifie un petit peu trop la situation liberté, là, j'ai choisi un diagramme pas très très... Enfin, c'est pas... C'est juste 4 fois... C'est presque 5 fois plus, quand même. D'accord. Mais c'est pas 100%, quoi. Évidemment. Donc, si vous avez besoin de monnaie pour prendre le bus, n'oubliez pas cette règle.
ça peut vous sauver. C'est ce que dit Jean-Léon Beauvois avec sa belle barbe léonine. Il dit « Jouer sur le sentiment de liberté est l'élément de manipulation principal. » Lui, c'est le fruit de sa carrière, c'est ça. Je lui demandais quel était le... S'il y avait un seul truc à garder de tout ce qu'il a fait pendant 40 ans en psychologie sociale ou 50 ans en psychologie sociale, il a dit ça. L'illusion du sentiment de liberté, c'est ce qui est le plus facilement exploitable chez les gens. C'est d'ailleurs ce qu'ont très bien compris les fast-food en self-service. En vous laissant libre de composer vous-même votre menu, ils savent très bien que vous consommerez plus parce que vous vous sentez libre que si vous avez un menu restreint, quoi. Il y a plein d'endroits comme ça, de marchands, dans lesquels vous retrouvez des choses de ce genre. Vous avez une technique qu'on appelle la technique d'amorçage. Le principe, c'est d'obtenir une décision, c'est assez moche, hein, en cachant des éléments. Et puis miser sur le fait que la plupart des gens n'oseront pas revenir sur leur décision. Alors, je donne un exemple qui a été testé hein, en labo et tout. J'ai pas mis les chiffres là, mais je vous le mime. Hein. « Hé, mon pote, tu me remplaces pour le TP de la semaine prochaine, s'il te plaît ?» Alors l'autre, il dit « Bah ouais, bon, d'accord, ok. » « Ah, merci, t'es un frère. » Alors, ça, c'est une technique qu'on verra après, ça s'appelle l'étiquetage. « Merci. » Genre, t'aurais dit non, t'étais pas un frère. Quand même. Bon, voilà. Et puis, « Ah, j'ai oublié de te dire, c'est à Pont-de-Chéruy. » Alors, je sais pas si vous savez où c'est Pont-de-Chéruy, mais c'est méga loin d'ici. Hein. C'est genre plus loin que Saint-Étienne-de-Saint-Jouard. Plus loin que, pardon, que Lyon-Saint-Exupéry, l'aéroport, tout ça, c'est après. Et j'ai oublié de te dire que c'est à Pont-de-Chéruy, et le TP commence à 7h du matin, il n'y a pas de café, c'est avec un prof horrible, j'ai oublié de te dire ça. Mais franchement, hein, et là vous rajoutez du « mais vous êtes libre d'eux », franchement t'es libre de me dire non, hein, te sens pas gêné, hein, c'est pas parce que tu m'as dit oui avant que maintenant tu peux pas me dire non. Et là vous êtes quasiment assuré que la personne va vous dire oui. En fait vous avez inversé le rapport de... Vous voyez, en gros, la personne se sent trop mal après de vous dire... c'est elle qui se sent moche. De vous dire non, alors qu'en fait, vous lui avez fait accepter un choix sur des bases fausses, quoi. Vous avez fait une base mensongère, vous avez gommé les éléments négatifs. J'ai failli m'embrouiller avec un de mes copains à cause de ça. J'ai un de mes copains qui m'avait demandé un truc comme ça. Il dit, tu peux aller chercher Madonna à l'aéroport? Je dis, bah ouais, bien sûr, pas de problème. Il me fait, ah, en fait... alors au début, je crois qu'il me dit avec ça, je te prête ma voiture, tu vas chercher à l'aéroport. Moi, je dis, bah, pas de problème. Après, il me fait, ah, en fait, alors, je t'ai pas dit, c'est à 4h du matin. Et puis, en fait, ma voiture, elle est en panne, alors si tu peux prendre la tienne, c'est pas plus mal, en fait. Là, je lui dis, yeah, attends, t'sais, je fais des cours là-dessus, tu peux pas me faire ça, quoi. Il me fait, comment, quoi, je t'ai fait quoi? Je dis, mais tu m'as fait exactement la technique d'amorçage, là. Il me fait, non. Je dis, ah, mec, regarde, tiens, on va prendre le diaporama. Si, tu m'as fait une technique d'amorçage, tu m'en fais plus jamais ça, alors voilà. Alors, pour la peine, j'irai pas. Je lui dis, et il me fait, ah bon, bah, tant pis. Et il m'a fait pitié, je vous jure, j'y étais. J'étais mal d'y aller, quoi. Mais j'y étais quand même, parce que je suis un copain. Voilà. Je suis un crétin, un copain. Exemple vécu d'amorçage, celui-là. Alors, j'aurais pu mettre ma nana, elle n'est pas tout à fait comme ça, hein, ma nana, mais elle est plutôt dans les codes, les codes d'esthétique du moment. Ça ne veut pas dire qu'ils sont beaux ou moches, mais voilà. Elle est plutôt proche de ça que d'autres choses, quoi. Bon. Et alors, quand on fait du stop, ce qui m'arrive encore assez fréquemment de faire du stop, j'aime bien, je sais que si je fais du stop à côté d'elle, moi, hirsute, personne s'arrête, quoi. Si c'est elle, oui. Alors moi, je me planque, et puis elle fait du stop. Et il nous est arrivé de développer des méthodes comme ça où on était quatre, mais les trois se planquaient, elle fait du stop, et après... Puis nous, on sortait avec les quatre épagneuls bretons, les trois sacs et notre odeur de fennec. Et le type qui s'arrête, c'est souvent un type, parce que les dames ont tendance à se méfier plus des autostoppeurs. Le type qui s'arrête pour la jeune fille, présumant qu'elle est inoffensive, alors qu'il y a des jeunes filles absolument terrifiantes, mais bon, peu importe. Et il s'arrête, et là, jaillissent trois punks à chiens et à 12 labradors. Et là, il dit, enfin, ça se passe en un éclair, quoi. C'est dit, ah merde, je me suis arrêté pour la nana, et là, il y a les mecs, et alors j'aurais pas voulu les prendre, mais en même temps, si je les prends pas, c'est-à-dire que je suis un peu un pervers, parce que je me suis arrêté pour la nana. Bon, bah d'accord. Et de toute façon, tout le monde est déjà dans la voiture, donc... Et donc, ne le faites pas, c'est pas bien. C'est mal de faire ça. C'est très mal. Non, vous verrez que le mal et le bien sont des notions au cours numéro 12 que l'on pourra peut-être diluer un petit peu. Voilà, c'est un exemple vécu. Et évidemment, quand la nana, le type s'arrête, vous dites, ah, mais ça vous gêne pas qu'on prenne mes potes, hein, vous pouvez me dire non, hein, je comprendrai. Et là, hop, vous rajoutez une petite couche là-dessus, et ça marche très très bien.